don't know. Un des objectifs des jeux vidéo est de simuler un monde. Pas forcément notre monde à nous tel qu'on le connaît, mais un monde. Parfois, l'univers proposé aux joueurs se base sur les règles de notre réalité, et parfois, c'est tout l'inverse. Les développeurs vont justement permettre aux joueurs de pénétrer dans un univers totalement original et immersif, régi par ses propres règles. Minecraft est un bon exemple d'univers comportant des règles contre-intuitives pour le joueur, notamment en proposant de nouvelles lois physiques afin de lui autoriser davantage d'actions possibles. Mais peu importe la nature des règles prévues par les développeurs, dans le jeu, ces règles seront immuables et intangibles. Les développeurs limitent donc le champ des possibles réservé au joueur en lui offrant un produit fini, renfermant un univers lui aussi fini. Et clairement, il n'y a pas plus déterministe qu'un jeu vidéo. Le joueur ne pourra jamais échapper à son destin, qu'il soit tragique ou victorieux. Et même si de plus en plus de jeux proposent différentes fins en fonction des actions du joueur durant son aventure, vous ne pourrez jamais obtenir une fin qui n'a pas été prévue par les développeurs. Du coup, à la différence du monde réel, le virtuel ne semble ne laisser aucune place à l'imprévu. Ce qui n'a pas été programmé ne peut pas arriver. Vraiment ? Est-ce qu'il n'y aurait pas déjà eu quelques esprits tordus qui auraient réussi à réaliser l'impossible, tout seuls, devant leurs ordinateurs et dans la pénombre d'une chambre mal aérée ? Eh bien, évidemment que oui. Et je vais d'ailleurs vous présenter 4 de ces histoires, que j'aime particulièrement et qui ne parleront d'ailleurs pas que de jeux vidéo. Du coup, même si vous n'y connaissez rien en jeux vidéo et que ça ne vous intéresse a priori pas plus que ça, vous pouvez être soulagé. Vous y trouverez également votre compte. Bon, assez parlé. Je crois qu'il est grand temps pour vous de vous installer confortablement, de liker cette vidéo et de vous laisser embarquer dans ces histoires aussi improbables que fascinantes. C'est bon ? Allez, c'est parti. S'il y a bien une date qui a marqué un tournant décisif dans l'histoire des jeux vidéo en ligne, c'est bien 2003. C'est en effet cette année-là qu'est sorti Entropia Universe. Dans ce jeu massivement multijoueur, s'est produit un phénomène que peu de personnes avaient vu venir à l'époque. L'économie de la diégèse de ce jeu se mêle à l'économie du monde réel. Pour faire simple, les joueurs qui ne possédaient pas suffisamment de fonds en argent virtuel pouvaient désormais injecter des monnaies réelles comme l'euro ou le dollar dans l'économie du jeu. Votre personnage est trop pauvre dans le jeu ? Eh bien, sortez votre carte bancaire et vous pourrez obtenir cette magnifique épée légendaire qui vous fait de l'œil depuis de nombreuses heures de jeu. Et puis, pareil pour Second Life, sorti la même année. Il vous manque des Linden Dollars pour acheter à votre avatar une petite tenue sympa ou même une villa ? Eh bien, un simple virement bancaire vous permettra d'acheter tout ce que vous voulez. Ce système de conversion d'argent réel en monnaie virtuelle s'est par la suite grandement démocratisé, et bien évidemment, les entreprises derrière ces jeux vidéo se réservaient le droit de ponctionner une petite partie de chacune de ces transactions. Un peu comme une sorte d'impôt, quoi. Si le joueur veut emprunter un raccourci dans sa quête de puissance, alors il devra payer. Et depuis 2003, on ne peut pas vraiment dire que cette tendance s'est ralentie, bien au contraire. Blizzard, une des plus grosses sociétés de création de jeux vidéo en ligne, a carrément mis en place des hôtels de vente virtuels, où les joueurs peuvent s'échanger des objets contre de l'argent réel. D'ailleurs, cette possibilité de convertir la monnaie réelle en argent virtuel s'est tellement démocratisée qu'il est possible de remarquer que sur Diablo 3, l'économie du jeu s'est mutée en une étrange situation d'inflation perpétuelle. Bref, 20 ans plus tard, les jeux vidéo en ligne se sont bien souvent dotés de contenus additionnels payants. Chaque éditeur propose des loot box ou boîtes à butin. Le principe de ces boîtes est équivalent à celui des pochettes surprises. Les joueurs peuvent en acquérir une pour quelques euros, mais sans savoir ce qu'elles contiennent. On y trouve aléatoirement soit quelque chose d'insignifiant, ou bien au contraire quelque chose de rare et de convoité. Et bien évidemment, la probabilité d'obtenir un objet rare est très très faible. Et c'est d'ailleurs en cela que l'enjeu économique réside. Le joueur devra dépenser du temps ou de l'argent avant d'obtenir ce qu'il désire. Face à ce constat de la marchandisation d'objets virtuels, les développeurs ont préféré encadrer ces pratiques plutôt que de laisser les joueurs s'arnaquer les uns les autres.
Bon, maintenant que vous avez ces quelques éléments de contexte, j'aimerais vous parler d'un dernier point, avant de rentrer à proprement parler dans le vif du sujet. J'aimerais rapidement vous présenter le concept d'exploit. L'exploit consiste, comme son nom l'indique, à exploiter une vulnérabilité d'un logiciel, d'un système informatique ou même d'un jeu. Le hacker mettra alors à profit ses connaissances du code du jeu vidéo afin de contourner les mesures de sécurité et d'obtenir des accès non autorisés. Et bien que cela puisse simplement s'apparenter à une astuce technique, cela soulève également des questions philosophiques intéressantes. Dans le monde physique, le vol est généralement considéré comme un comportement immoral et donc punissable par la loi. Mais qu'en est-il du vol dans le monde numérique? Est-ce toujours considéré comme immoral? Et surtout, qui en est responsable? Le hacker qui a exploité la vulnérabilité, ou bien l'entreprise qui a créé la vulnérabilité en premier lieu? Tout un tas de questions juridiques et éthiques passionnantes, auxquelles je ne vais pas avoir la prétention de répondre ici. Je vais faire bien mieux que ça. Je vais vous raconter une des histoires les plus folles du jeu vidéo. Celle d'un hacker très malin qui a réussi à amasser, dans le plus grand des secrets, une véritable fortune. Et tout ça sans armes, ni haine, ni violence. Laissez-moi donc vous présenter l'incroyable histoire de Manfred. Tout a donc commencé en 1997 sur Ultima Online, qui peut d'ailleurs être réellement considéré comme un pionnier du jeu en ligne multijoueur. Les joueurs avaient alors pour la première fois, à si grande échelle, la possibilité d'explorer le monde, d'interagir avec d'autres joueurs, de combattre des monstres, de récolter des ressources, de fabriquer des objets et plus généralement d'acheter et de vendre des biens. À cette époque, un jeune étudiant joue à Ultima, depuis sa petite chambre universitaire à Austin, au Texas. Et sur ce jeu, son pseudonyme est Manfred. Et malheureusement pour lui, en 1997, la résidence universitaire où il vit ne dispose que d'une connexion internet très médiocre. Bien trop médiocre pour pouvoir jouer correctement. Même si Manfred connaît parfaitement les mécaniques de ce jeu, les lags sont trop fréquents et face à des joueurs dotés d'une bonne connexion, il ne peut littéralement rien faire. Le problème, c'est que Manfred adore ce jeu et il était hors de question pour lui de continuer à jouer avec de tels désavantages. Il allait donc devoir rapidement trouver une solution. Un jour, alors qu'il était en train de jouer, il a découvert un bug qui allait littéralement changer sa vie. Dans Ultima Online, il y avait un nombre fini de maisons que les joueurs pouvaient construire, ce qui les rendait donc extrêmement précieuses. En trifouillant dans le code du jeu, Manfred a trouvé un moyen de supprimer les maisons des autres joueurs et de prendre possession de leur lot. Comme un bon cambrioleur, il prit le parti de faire des rondes dans ses quartiers résidentiels virtuels afin d'effectuer un repérage bien précis, voir si des gens entrent ou sortent des maisons. Si c'est le cas, alors ça signifie qu'elle est occupée. En revanche, si après quelques jours personne n'était entré ou sorti de la maison, eh bien c'est sûrement qu'elle devait être abandonnée. Après avoir supprimé les maisons inhabitées, Manfred put en construire de nouvelles. Quelques-unes seulement au début. Et puis un petit peu plus au fil du temps. Mais toujours en faisant bien attention d'être au-dessus de tout soupçon. Et comme le marché immobilier d'Ultima Online était en crise, Manfred savait très bien que des joueurs seraient prêts à tout pour en obtenir une. Il décida donc de mettre certaines de ses maisons virtuelles en vente sur eBay, cette fois-ci contre de l'argent réel. Et quelques jours seulement après la mise en ligne de ses annonces, Manfred a réussi à vendre son premier château, pour près de 2000$. Pendant 3 ou 4 ans, Manfred a continué de vendre un certain nombre de maisons et donc à se constituer un joli petit pécule, qui lui a d'ailleurs permis de financer intégralement ses études universitaires. Manfred a trouvé un glitch dans le jeu, mais également dans la vie réelle, et très clairement, il n'avait à ce stade aucune raison de s'arrêter là. Les années passent et nous sommes désormais au début des années 2000, et malheureusement, Ultima Online commence à perdre en popularité, notamment à cause de la redoutable concurrence de nouveaux jeux vidéo plus actuels et attractifs. Mais Manfred est un jeune homme brillant et stratège. Ce contexte de désertification de son jeu favori allait rapidement lui imposer de devoir migrer sur de nouvelles plateformes, pour voir si ces nouveaux jeux possèdent eux aussi des failles de sécurité similaires. Et pendant les 20 prochaines années, Manfred allait exploiter les bugs des plus gros MMO. La liste est longue, et certainement pas exhaustive, mais le jeune Texan allait désormais passer l'entièreté de son temps sur des jeux comme Lineage 2, Shadowbane, Final Fantasy XI, Dark Age of Camelot, Lord of the Rings Online, Rift, Age of Conan, Guild Wars 2, et bien d'autres. En gros, Manfred était partout,
sur tous les jeux qui basaient la compétitivité des joueurs sur leurs compétences, mais également sur leurs équipements. Pièces d'équipement qui pouvaient d'ailleurs s'échanger, s'acheter et se vendre grâce à de la monnaie virtuelle. Vous l'aurez compris, Manfred a donc été contraint de cesser ses activités immobilières virtuelles pour la revente d'épées, d'armures, de boucliers, de talismans, bref, de tout ce qui est convoité par les autres joueurs. Et sur cette vingtaine de nouveaux jeux, le jeune pirate découvrira pas moins d'une centaine de failles et de vulnérabilités différentes. Alors, bien évidemment, Manfred aurait pu en signaler quelques-unes aux développeurs, mais s'il avait fait ça, l'entreprise aurait sorti un patch pour corriger la vulnérabilité. Et puis, ça aurait attiré l'attention sur lui, chose qu'il souhaitait par-dessus tout éviter. Vous l'aurez compris, Manfred est un hacker différent des autres. Il ne triche pas pour avoir un avantage sur ses adversaires. Il pirate des jeux parce que c'est son métier à temps plein. Il a d'ailleurs plus tard déclaré que les meilleurs hacks étaient ceux qui restaient invisibles, car ils permettent de changer les règles sans que personne ne s'en aperçoive. Pour Manfred, lorsque vous piratez des jeux en ligne, le principal objectif est donc d'être et de rester invisible. Perturber les joueurs, faire étal de ses richesses ou de sa puissance en ligne seraient de terribles erreurs à commettre. Jamais, ou grand jamais, les autres joueurs ou les développeurs doivent se dire qu'il est possible de faire apparaître de puissants objets grâce à de petites manipulations du code du jeu. Vous ne voulez pas perturber les joueurs, vous ne voulez pas que les développeurs découvrent vos hacks, et vous ne voulez même pas qu'ils sachent que ce que vous faites est possible. Dans Dark Age of Camelot, par exemple, Manfred dit avoir trouvé une faille qui lui permettait de se connecter et de se reconnecter sans que le jeu s'en aperçoive, lui permettant ainsi de cloner son propre personnage et ses objets de valeur à l'infini. Et comme à l'époque il y avait déjà des grey markets qui permettaient aux joueurs d'acheter ou de vendre des objets virtuels via des sites externes, Manfred s'est dit qu'il y aurait peut-être un coup à jouer. Mais pas sur ces plateformes, non. Manfred allait faire encore plus fort et créer sa propre plateforme de vente d'objets en ligne. Ok, mais créer sa propre plateforme, c'est un peu grillé, non? Eh bien, pas forcément. Et quand on a 250 de QI et que ça fait déjà un bon paquet d'années qu'on est dans ce business, vous imaginez bien que, comme toujours, Manfred avait un plan. Il n'y avait au final qu'à créer de faux profils de vendeurs d'objets virtuels, tous différents, pour faire comme s'il y avait une pluralité de vendeurs, et bloquer au passage toutes les autres personnes qui souhaiteraient vendre sur sa plateforme. Donc en résumé, vous avez au final une multitude de comptes de vendeurs, en réalité tous contrôlés par Manfred, aucun concurrent, et des échanges basés sur des objets virtuels que les autres vendeurs mettaient des dizaines d'années d'heures à obtenir avant de pouvoir les vendre, alors que ça ne demandait que quelques secondes à Manfred pour les avoir dans son inventaire. Tous les paramètres avaient été méticuleusement optimisés, et il était grand temps pour Manfred d'industrialiser son activité. Alors, on ne saura jamais vraiment combien d'argent il a pu gagner avec ses hacks invisibles, mais il y a de très fortes raisons de penser que Manfred a mis de côté un gigantesque pactole. Il n'a jamais vraiment donné de chiffres exacts, non pas par humilité je pense, mais plutôt à cause du fisc américain qui devait certainement se poser des questions à son sujet. Et vous vous doutez bien que si Manfred a fini par donner des interviews, c'est bien que le hacker invisible a finalement été démasqué. Voici le jeu sur lequel Manfred s'est fait détecter, Shadowbane. Manfred explique que le code de Shadowbane était si compliqué que même les développeurs ne pouvaient pas dire si un hack avait été effectué ou non. Dans un premier temps, et compte tenu de la popularité de ce jeu à sa sortie, le hacker d'Austin allait s'en donner à cœur joie. Le problème, eh bien, c'est que les années avancent et que l'informatique devient de plus en plus mainstream. De nombreux jeunes passionnés se mettent donc à étudier le code des jeux pour voir s'il n'y a pas un moyen de se rendre invincible, riche, bref, juste voir où les développeurs auraient pu faillir. Et comme Shadowbane était un réel gruyère, des vagues de pirates ont déferlé sur le jeu pour semer ordre et chaos dans ce monde virtuel. Naturellement, les développeurs ont dû faire leurs recherches, et bien que Manfred n'avait rien fait d'autre que de faire apparaître des objets dans son coin sans ennuyer personne, la fréquence de ces intrusions allait conduire les équipes de Shadowbane à s'intéresser à son cas. La sanction est immédiate. L'adresse IP de Manfred est bannie des serveurs du jeu. Et ce n'est pas tout. Les développeurs ont également affiché publiquement son nom, afin de le dissuader de recommencer, mais également pour alerter les autres équipes des jeux concurrents. Cet incident a été un tournant pour Manfred, qui a réalisé que les risques liés à la triche devenaient trop élevés. Toutefois, ce n'est pas vraiment ce qui a arrêté Manfred de hacker des jeux vidéo pour autant, sauf que maintenant, il le fait dans les règles. Compte tenu de ses connaissances encyclopédiques en termes de failles de sécurité dans les jeux vidéo, il s'est lancé en indépendant dans ce qu'on appelle les bug bounty.
Pour résumer très grossièrement, un bug bounty est un programme de récompense lancé par une entreprise à toute personne qui débusquerait des failles de sécurité dans un logiciel, une application ou même un jeu vidéo. Manfred est donc devenu consultant en sécurité informatique. Un consultant qui doit d'ailleurs vivre très confortablement grâce au magot qu'il s'est constitué en secret pendant près de 2 décennies. Et au final, là où il a été malin, eh bien c'est qu'au-delà des failles de sécurité informatique, Manfred a également exploité un vide juridique. Aux États-Unis, il n'était pas interdit de vendre des objets virtuels. Déjà parce que les législateurs étaient à des années-lumière de s'imaginer que c'était possible et qu'il n'y avait donc aucune norme qui encadrait cette pratique. Et puis aux États-Unis, le mercantilisme est presque un dogme, et il est possible de tout vendre au prix qu'on le souhaite tant que ça n'est pas spécifiquement interdit par une loi. Du coup, Manfred a rapidement compris que la seule sanction qui pouvait lui tomber dessus ne pouvait venir que des développeurs, et pas de l'État américain. Manfred a donc réussi à hacker à la fois tous ses jeux vidéo, mais également la législation américaine. Et d'ailleurs, je trouve que l'histoire de Manfred illustre bien le fait que le piratage peut devenir une activité professionnelle lucrative lorsqu'il est fait dans les règles. J'avais très envie de vous parler de ce personnage, parce que je trouve qu'il y a une certaine élégance dans la manière dont Manfred a réussi à amasser une fortune dans la vraie vie à partir de simples objets existants sur des jeux vidéo, c'est-à-dire à partir de rien du tout. Et à sa manière, Manfred a également réussi à montrer qu'il était possible d'avoir une expérience de jeu dont les développeurs eux-mêmes n'avaient pas envisagé la possibilité. D'ailleurs, en parlant de ça, les 2 prochaines histoires vont aborder cette thématique, celle du glitch, de l'expérience de jeu inédite. Sauf que ces 2 prochaines histoires risquent d'être bien plus angoissantes. Allez, histoire suivante. Sid Meier, le créateur de la célébrissime franchise de jeux de stratégie au tour par tour Civilization, a affirmé que le gameplay pouvait se résumer à une série de choix intéressants, et que donc les décisions humaines jouaient un rôle clé dans la construction de l'expérience de jeu. Et quand on regarde un peu de quelle manière les jeux de Sid Meier ont été pensés, il est facile de comprendre son point de vue. Dans Civilization 2, le joueur se retrouve à la tête d'une nation virtuelle, qui sera mise en compétition avec jusqu'à 6 autres civilisations. Le joueur devra donc faire prospérer son peuple sur les plans économiques, scientifiques, politiques, militaires et diplomatiques. Et chacune de ces décisions influencera de façon déterminante le résultat de la partie pour le conduire à l'échec si le joueur est éliminé ou abdique, ou bien vers la victoire. Et justement, l'histoire que je vais vous raconter illustre à merveille les propos de Sid Meier, et c'est sur un de ses plus grands succès qu'un joueur inconnu allait donner une toute autre saveur aux propos du célèbre créateur de jeux vidéo. Ce joueur va prouver à Sid Meier qu'en faisant des choix que les développeurs n'auraient jamais imaginés, il était tout à fait possible de créer un scénario inédit et de rentrer dans une partie quelque peu glitchée du jeu. Et si j'ai décidé de vous parler de cette méta-histoire du jeu vidéo, c'est parce qu'une fois que ce joueur s'est engouffré dans cette faille de programmation, il a créé, sans trop le vouloir, un enfer numérique insoutenable. Bon, tout le monde a déjà entendu parler de la guerre de 100 ans, mais saviez-vous qu'une guerre avait duré 335 ans? Du 30 mars 1651 au 17 avril 1986, un conflit armé a opposé les Pays-Bas, alliés aux partisans du Parlement Angleterre, emmenés par Cromwell, à une partie de la Royal Navy, restée fidèle à la couronne, et repliée sur des îles au large de la Cornouailles. 335 ans, c'est absolument énorme. Et même si ce ne fut pas la guerre la plus meurtrière de l'histoire, il faut tout de même se dire que près de 5 générations d'êtres humains ont vécu ce conflit. Imaginez maintenant une guerre nucléaire mondiale qui durerait pendant 1700 ans. Bon, dans la réalité, il y a de très bonnes raisons de penser qu'après quelques bombardements nucléaires, l'humanité aurait été entièrement rayée de la carte. Et c'est pareil pour Civilization 2. Dans ce jeu de simulation, des guerres finissent toujours par éclater au bout d'un moment entre les factions ennemies. Et comme ce jeu se veut à peu près réaliste, les guerres mondiales mettent généralement un terme à la partie. Enfin, c'est tout du moins comme ça que le jeu a été programmé. Mais un joueur acharné de Civilization 2, dénommé Lycerius, a réussi à générer un tout autre scénario, créant ainsi une situation géopolitique absolument cauchemardesque. Laissez-moi donc vous présenter la fascinante histoire de la guerre éternelle sur le jeu Civilization 2. Tout a commencé avec un post de l'utilisateur Reddit, Lycerius. J'ai joué à la même partie de Civilization 2 pendant 10 ans.
Bien qu'il ne soit plus à la mode depuis longtemps, j'ai toujours été fasciné par ce jeu. J'ai pensé qu'il pourrait être intéressant de voir jusqu'où je pourrais mener cette partie, et de voir quelles seraient les conséquences de mes décisions. Bien sûr, je joue à d'autres jeux et j'ai une vie, mais je reviens souvent sur Civilization 2 quand j'ai un peu de temps libre. Après 10 ans passés sur une même partie, voici où j'en suis. Le monde est un cauchemar infernal de souffrance et de dévastation. Nous sommes en 3991 et il ne reste plus que 3 supernations qui se disputent les maigres ressources laissées sur la planète après que des dizaines de guerres nucléaires aient rendu 90% des territoires inhabitables. Les calottes glaciaires ont fondu, principalement en raison des nombreuses bombes nucléaires ayant été larguées un peu partout autour du globe. Depuis lors, chaque centimètre carré de terre dans le monde qui n'est pas une montagne est devenu un marécage poisseux, rendant toute culture des sols impossible. Les sols sont de toute manière bien trop irradiés pour être fertiles. Les grandes villes, quant à elles, appartiennent à un passé lointain. Environ 90% de la population mondiale a disparu, soit à cause des bombardements nucléaires, soit des famines causées par le réchauffement climatique. Les ingénieurs, qui sont des unités que l'on peut débloquer en fin de partie, sont toujours occupés à construire des routes pour que les nouvelles armées puissent atteindre les lignes de front. Et à chaque fois que c'est à l'ennemi de jouer, les routes sont détruites et doivent donc être reconstruites. Il n'y a donc pas de temps pour assécher les marécages ou pour s'occuper des retombées nucléaires. Cette guerre perpétuelle ne laisse aucun répit à cette humanité virtuelle. Il ne reste plus que 3 factions devenues au fil des siècles de véritables empires. Les Celtes, le peuple que je joue, les Vikings ainsi que les Américains. À nous trois, nous avons conquis tous les autres peuples qui n'ont du coup jamais eu le temps de se développer pour la simple et bonne raison que nous les avons directement assimilés à nos empires respectifs. Et depuis près de 2000 ans, les 3 nations restantes sont enfermées dans une lutte à mort éternelle. Toute paix semble impossible. Chaque fois qu'un cessez-le-feu est signé, les Vikings m'attaquent par surprise ou alors ce sont les Américains qui le font dès le tour suivant, souvent avec des armes nucléaires d'ailleurs. Même lorsque l'ONU impose un traité de paix, il n'y a jamais aucune trêve. Nos empires sont bien trop puissants pour se soumettre à une quelconque justice internationale. Je suppose donc que la paix n'arrivera que lorsque toutes les autres civilisations auront été éliminées, et c'est justement cette conclusion pragmatique qui perpétue cette guerre infinie. En raison du programme de défense stratégique mis en place, les armes nucléaires ne sont généralement utilisées que contre les armées en dehors des villes. Les villes, quant à elles, sont constamment attaquées par des espions qui posent des charges nucléaires programmées pour exploser à rebours. De manière habituelle, le désavantage de cette technique est qu'elle provoque instantanément une guerre nucléaire. Donc ça fait bien longtemps que la menace de recourir à l'arme nucléaire ne dissuade plus personne, moi y compris. Les seuls gouvernements restants sont 2 théocraties et moi-même, un état communiste. Je voulais rester une démocratie, mais le Sénat m'obligeait toujours à renoncer à déclarer la guerre avant les Vikings. Cela retardait mon attaque et rendait souvent mon tour et mes plans inutiles. Et bien sûr, les Vikings rompaient ensuite le cessez-le-feu de manière systématique et presque arithmétique dès le tour suivant. Rapidement, je me suis rendu compte que les décisions qui s'imposaient n'étaient pas dictées par les besoins de mon peuple, mais par sa seule survie. J'ai été contraint de renoncer à la démocratie, il y a environ 1000 ans, parce qu'elle mettait en danger mon empire. Et bien sûr, ça fait plusieurs décennies que le peuple me déteste. Très régulièrement, il y a des soulèvements massifs de guérilla au cœur de mon empire que je dois affronter, ce qui épuise grandement les ressources de l'effort de guerre. Militairement parlant, l'humanité tout entière est dans une impasse. Je pense être arrivé à un point d'équilibre que les développeurs n'avaient pas prévu. Les nations restantes ont déjà toutes les technologies existantes, et donc aucune n'a d'avantage sur les autres. Et puis, il y a tellement d'unités sur la carte en même temps que vous pourriez perdre 20 unités de chars sans que vos lignes ne soient affectées en raison de l'existence d'un flux constant de troupes avançant vers le front. Les 3 civilisations encore en jeu n'ont qu'un seul objectif, lutter pour leur survie en sacrifiant leur population à grands coups d'efforts de guerre trop intenses et surtout d'absence d'espoir de voir la situation se pacifier. Mon objectif pour les prochaines années est d'essayer de mettre fin à la guerre et d'enfin pouvoir utiliser les ingénieurs pour dégager les marais et les zones contaminées afin que l'agriculture puisse reprendre. Je veux reconstruire le monde. Mais je ne suis pas sûr de savoir comment m'y prendre. S'il y a parmi vous des vieux joueurs de Civilization 2 qui pourraient m'aider ou auraient des conseils à me donner, je suis preneur. Civilization 2 est un jeu ouvert conçu principalement pour une fin utopique. La partie typique voyant une nation se hisser au-dessus des autres pour finalement explorer une nouvelle planète habitable. L'étrange partie de Lycerius dure depuis plus de 10 ans, et est loin de voir une nation triompher sur les autres. C'est une guerre éternelle qui a vu le jour,
créant ainsi un paysage orwellien, conséquence directe des actions du joueur et d'une mécanique du jeu poussée à l'extrême. Et c'est pour ça que j'adore cette histoire un peu méta du jeu vidéo. La guerre éternelle est un exemple intéressant de création de scénarios uniques et inattendus pour les développeurs. Cependant, même si Sid Meier lui-même a déclaré qu'il n'aurait jamais imaginé qu'une partie puisse arriver à cette conclusion, les développeurs ont tout de même rendu cette expérience de jeu possible pour le joueur. Même si le jeu ne prévoyait pas cette hypothèse, il l'a tout de même permise et entretenue en suivant toujours ses propres règles, mais désormais bien loin des considérations de victoire ou de défaite. À la fin de son post, Lycerius a posté un lien pour télécharger le fichier de sauvegarde de sa partie. Et cette étrange histoire s'est rapidement propagée sur Internet. Beaucoup de personnes ont trouvé cette histoire de glitch provoquant une guerre nucléaire de près de 2000 ans absolument fascinante. Et de nombreuses fanfictions ou illustrations ont été réalisées sur ce thème. Cette guerre éternelle virtuelle, créée presque accidentellement par Lycerius, me fascine, tant elle illustre à merveille l'impact du libre arbitre du joueur dans la création de quelque chose d'original, à partir de rien de plus que la mécanique intrinsèque du jeu. S'imaginer vivre dans un monde chaotique, empêtré dans une guerre mondiale qui dure depuis près de 2000 ans, est effrayant. Le désordre, la violence, les famines, un monde qui n'aurait que ça à offrir serait cauchemardesque. Ouais, mais qu'est-ce que donnerait une vie dans une société pacifique, utopique et à la pointe dans tous les domaines? Est-ce que l'humanité serait plus heureuse que dans la dystopie créée par Lycerius? Dit comme ça, la réponse semble plutôt évidente. Mais attendez un peu de découvrir la prochaine histoire, et peut-être que vous changerez d'avis. Bon, l'histoire précédente était assez angoissante, mais dites-vous bien que l'expérience de Lycerius sur Civilization 2 n'est pas, à mon sens, la situation la plus cauchemardesque créée sur un jeu vidéo. Si le chaos est source d'angoisse et d'inconfort, est-il préférable de vivre dans un monde dit parfait? Eh bien, on va voir que ça n'est pas si évident que ça. Développé par Maxis et sorti en 1999, SimCity 3000 propose aux joueurs d'incarner le maire responsable de la construction, de la gestion et de l'entretien d'une ville virtuelle. Le joueur aura la charge de construire des infrastructures, développer des zones résidentielles, commerciales et industrielles, gérer les finances de la ville ainsi que les services publics, et plus généralement les différents problèmes que rencontre sa population virtuelle. Bref, SimCity 3000 a longtemps été la référence ultime du jeu de gestion. Assez complet pour l'époque, riche en possibilités pour le joueur, chacune des décisions prises aura des externalités positives ou négatives. Pour réduire le taux de chômage au sein de sa population, le joueur va devoir créer des zones industrielles, de préférence en périphérie de la ville, pour pas que la pollution des usines n'affecte trop le bien-être des citoyens. Mais naturellement, si les usines sont loin des quartiers résidentiels, il va falloir penser tout un réseau routier pour que les citoyens virtuels puissent se rendre au travail sans qu'il n'y ait trop d'embouteillages sur la route. Sinon, les employés arrivent en retard, les patrons sont mécontents, perdent de l'argent, paient moins d'impôts et sont contraints de licencier. Et dans ce jeu, le chômage massif entraîne l'insécurité, ce qui nécessite de recruter davantage de policiers, mais pour développer ses fonds, le joueur est généralement contraint de fermer des hôpitaux ou des écoles. Et puis, pareil pour la gestion des eaux et des déchets, toutes ces logistiques doivent être méticuleusement pensées pour ne pas créer de problèmes sanitaires. Bref, SimCity 3000 est très complet et illustre à merveille le caractère multifactoriel des problématiques économiques et sociales. Et comme s'il n'était pas assez difficile d'atteindre l'équilibre dans votre ville, le jeu se met au bout d'un moment à générer des catastrophes naturelles, comme des éruptions volcaniques, des tornades ou autres secousses sismiques. Vous l'aurez compris, dans SimCity 3000, la question n'est pas vraiment de savoir si on va gagner ou perdre, mais plutôt d'essayer de maintenir cette ville dans un état viable et stable le plus longtemps possible. C'était en tout cas l'intention des développeurs. Plus la partie durera longtemps, plus la ville se développera, et plus il y aura de chances que des facteurs viennent mettre en péril l'hégémonie de votre cité, et ça jusqu'à ce qu'un chaos ne s'installe pour toujours dans la ville. Une fois de plus, on peut remarquer qu'il y a un certain fatalisme dans SimCity 3000. Factuellement, je pense que 99% des joueurs, qu'ils aient été occasionnels ou acharnés, ont vu leur ville se déliter sous leurs yeux, et ce, quels que soient leurs efforts. Alors, je ne sais pas si les développeurs ont voulu faire passer un message en imposant quasiment cette conclusion aux joueurs sur le long terme, mais dans tous les cas, il est difficile de nier la difficulté de SimCity 3000.
Mais peut-on lutter contre ce fatalisme et ce déterminisme rigide? Est-il possible de battre la machine en créant un système pensé pour être en tout point parfait? Et si oui, comment s'y prendre? Eh bien, un joueur a trouvé un moyen de déjouer le destin que le jeu avait en réserve pour lui. Et vous verrez que, dans certains cas, créer un enfer numérique peut paradoxalement être reconnu comme étant une situation parfaite par la machine. Laissez-moi donc vous présenter la ville de Magna Santi. Vincent Ocasla, un étudiant en architecture philippin, a atteint en 2009 les limites du jeu SimCity 3000 en créant et optimisant sa ville idéale, dénommée Magna Santi. Mais Vincent n'est pas un joueur comme les autres. Pour concevoir cette ville virtuelle de 6 millions d'habitants, il a appliqué des calculs approfondis et de nombreuses expériences de modélisation. Et des calculs, Vincent en a fait beaucoup. Pendant que certains sortaient avec leurs amis, Vincent planifiait. Pendant que nous vivions nos routines, que nous voyagions, que nous vieillissions ensemble, Vincent planifiait méticuleusement son utopie totalitaire. Aussi impitoyable qu'efficace. En étudiant en profondeur le code du jeu pendant près de 3 ans, Vincent a créé Magna Santi et réussit rapidement à atteindre des objectifs impressionnants, comme une absence totale de criminalité grâce à de nombreux postes de police installés dans chaque quartier, et même atteindre une population de 6 millions d'habitants, un nombre largement supérieur à celui d'une ville créée par un joueur averti et potentiellement maximal. Magna Santi se compose essentiellement d'immeubles résidentiels de densité moyenne, particulièrement répétitifs. Chaque quartier est rigoureusement similaire et sont tous desservis par un système de métro qui rend difficile le fait même de sortir de sa zone résidentielle. Et d'ailleurs, pourquoi sortir de son quartier quand on peut trouver tout ce dont on a besoin sans avoir à sortir de son bloc d'immeuble? Moins de temps de transport signifie plus de productivité. Parmi ces choix les plus contre-intuitifs, il est possible de citer l'absence de services publics. Les hôpitaux, les écoles et les casernes de pompiers ont été rasés il y a bien longtemps. En revanche, comme Vincent s'est rendu compte en étudiant le code du jeu que les bibliothèques permettaient d'augmenter les capacités techniques de sa population, eh bien, chaque quartier dispose de plusieurs lieux où trouver des livres. Mais sans éducation, les citoyens virtuels ne sont cantonnés qu'à des ouvrages techniques, qui n'ont pour seul but que d'améliorer leurs compétences professionnelles. Enfin, pour ceux qui ont un travail, car le taux de chômage est colossal. Les richesses sont produites de manière automatisée et ce dont la ville a besoin, c'est de consommateurs et de rien d'autre. Et même si le jeu prévoit que la population puisse se révolter, lorsque les habitants de Magna Santi sont en âge de s'armer contre ses dirigeants, eh bien la plupart des citoyens sont déjà trop vieux ou alors déjà morts en raison de leur courte espérance de vie. Et lorsqu'il lui a été demandé pourquoi dans sa ville la durée de vie moyenne d'un citoyen n'était que de 50 ans, il a déclaré que la santé des Sims n'était pas une priorité vis-à-vis de l'objectif principal. L'individu peut être considéré libre, mais la société, elle, ne l'est pas totalement, ou n'est simplement pas programmée pour l'être. Plusieurs millénaires traversés sans que Vincent n'ait à intervenir. Grâce à son design et à l'optimisation de ses infrastructures, Magna Santi était devenu une sorte de mouvement perpétuel, augmentant sans cesse ses profits et en tout point inébranlable. Et si le jeu ne prévoyait pas de victoire à proprement parler, Vincent Ocasla s'était placé dans une situation où il ne pouvait pas perdre. Vincent a déclaré s'être inspiré de beaucoup de choses pour concevoir Magna Santi. Déjà, il a mis à profit ce qu'il avait appris durant ses études d'architecture, et plus spécifiquement pendant ses cours d'urbanisme. Et puis, il ne cache pas que son inspiration majeure a été Koyaanisqatsi, un long métrage documentaire expérimental sorti en 1982 illustrant différents aspects de la relation entre l'homme, la nature et la technologie. D'ailleurs, si vous ne l'avez pas vu, je vous invite à le regarder, parce que je trouve que c'est un pur chef-d'œuvre visuel. Enfin, Vincent s'est également inspiré de la citadelle de Kowloon, qui se situait dans l'actuel Hong Kong et qui était un quartier ultra compact qui a compté près de 35 000 habitants. La spécificité de cette citadelle? Eh bien, je pense que vous pouvez le constater par vous-même. Pendant plusieurs décennies, Kowloon a été le lieu le plus densément peuplé au monde. Gangréné par la corruption, les trafics en tout genre, les usines clandestines et un très fort taux de criminalité, la citadelle est évacuée et rasée en 1993.
Bref, l'analyse des différents algorithmes du jeu a permis à Vincent d'optimiser les distances entre les différentes ressources, le réseau énergétique et les infrastructures de transport dans le but de construire la ville la plus densément peuplée possible. Seule l'efficacité technocratique était recherchée. Nullement la qualité de vie des habitants, car la réussite de Magna Santi devait nécessairement passer par un contrôle totalitaire. Vincent Ocasla a toujours considéré sa ville Magna Santi comme une œuvre d'art. Sentiment manifestement partagé depuis son acquisition par le musée d'art moderne de New York, dont les conservateurs analysent l'œuvre en ces termes. Vincent Ocasla souligne une dichotomie brutale. Sous l'illusion d'ordre et de grandeur se dissimule une pollution étouffante, un taux de chômage élevé, l'absence de casernes de pompiers, d'écoles ou d'hôpitaux, un style de vie réglementé. Tel est le prix que ses habitants paient pour vivre dans la ville à la population la plus élevée. Magna Santi exprime l'idée qu'il peut être difficile de séparer le bienveillant du coercitif lors de la planification d'une communauté idéale. Alors oui, SimCity 3000 n'est qu'un jeu. Un vieux jeu de surcroît. Un jeu qui n'a d'ailleurs jamais eu la prétention de se vouloir purement réaliste. Et bien que ça ressemble fortement à un simulateur de gestion de municipalité, eh bien, ça reste un jeu. Gardons-nous donc de tirer des conclusions trop hâtives sur cette expérience. Mais je n'ai pas pu m'empêcher de faire un parallèle dans mon esprit avec les antagonismes existants entre croissance et bien-être des populations. Surtout quand on regarde de quelle manière les villes intelligentes sont actuellement pensées. Une ville intelligente ou ville connectée est une zone urbaine qui utilise différents capteurs électroniques de collecte de données afin de fournir des informations permettant de gérer efficacement les ressources et les actifs. Ça comprend les données collectées auprès des citoyens, mais également des dispositifs électroniques qui traitent et analysent pour surveiller et gérer les systèmes de circulation et de transport, les centrales électriques, les réseaux d'approvisionnement en eau, la gestion des déchets, les systèmes d'information, les écoles, les bibliothèques, les hôpitaux, etc. Et quand on couple ça avec le fait que certains États ont déjà adopté le crédit social, qui est un système de notation des entreprises, des citoyens et même des simples résidents du territoire, eh ben, ça me fait un peu flipper. Chaque entité devient une valeur numérique qui sera traitée par un algorithme qui prendra des décisions concrètes et optimisées en fonction des objectifs que les humains auront désignés comme prioritaires. D'ailleurs, les villes intelligentes chinoises illustrent déjà la manière dont le numérique devient un référentiel important dans la détermination des politiques territoriales, amenant vers un futur où les citoyens deviendront eux-mêmes des sortes de smart citizens. Cela a créé donc une tendance à réduire la ville à de simples algorithmes, négligeant les notions locales d'architecture, d'urbanisme, de culture ou de bon sens. Bref. Je ne sais pas vous, mais pour ma part, me dire qu'une ville virtuelle comme Magna Santi survit depuis des millénaires en s'auto-régulant grâce à des décisions si contre-intuitives et impopulaires me donne un peu le vertige. C'est pour ça que j'avais très envie de vous parler de ces deux méta-histoires du jeu vidéo, car je trouve que les deux se complètent plutôt bien. D'un côté, 2000 ans de guerre, de l'autre, des millénaires d'utopie dans un système designé pour être parfait. Et une même conclusion, des joueurs qui créent des enfers numériques. Alors bon, une fois de plus, ce ne sont que des jeux, donc gardons-nous de tirer des conclusions trop hâtives. Au final, seuls les avatars numériques et les PNJ y souffrent. Oui, les PNJ, les personnages non-joueurs. Ces intelligences artificielles que l'on croise dans l'immense majorité des jeux, qui nous délivrent des petites fenêtres de texte faisant office de dialogue et avec lesquelles il est possible d'interagir. Et si vous avez détecté que ce que je venais de dire était une subtile introduction vers l'histoire suivante, alors félicitations, vous êtes très perspicace et vous avez gagné le droit de liker cette vidéo. C'est bon? C'est fait? Allez, c'est parti pour la dernière histoire. Et croyez-moi, je vous ai vraiment réservé le meilleur pour la fin. Se promener seul dans l'univers d'un jeu habituellement peuplé de dizaines ou centaines de joueurs provoque chez moi un léger malaise. C'est un peu comme pour un supermarché vide ou des bureaux de nuit. Mais d'un autre côté, je trouve qu'il se dégage également une forme de sérénité dans ces lieux. Quand on est seul, on est moins déconcentré, on peut se focaliser un peu plus sur les détails, découvrir des choses habituellement noyées dans le tumulte du mouvement et parfois même s'inventer des histoires. J'avais déjà fait une vidéo qui parlait de ces serveurs fantômes, toujours actifs en dépit de la désertion massive de ces joueurs. Dans une précédente vidéo, je vous ai d'ailleurs présenté une histoire qui s'était déroulée sur le jeu World.com. Celles et ceux qui ont vu cette vidéo savent pourquoi les serveurs de ce MMO abandonné sont restés si longtemps ouverts alors même que plus personne ne se connecte dessus depuis des années.
Mais aujourd'hui, on va se focaliser sur une autre histoire étrange qui s'est déroulée dans les contrées désertées de Worlds.com. En 2016, Vinsauce, un streamer américain, a décidé de faire un live d'exploration de ces mondes abandonnés, et il s'est naturellement tourné vers Worlds.com, puisque les serveurs étaient toujours accessibles. Mais vous allez voir que la randonnée digitale en solitaire de Vinsauce a rapidement tourné en un réel cauchemar qui pétrifia de peur le jeune américain. Regardons ça ensemble. L'exploration commence et Vinny découvre les vestiges de ce monde, entièrement construit par des joueurs deux décennies auparavant. L'explorateur numérique s'attarde ensuite ici et là, subjugué par l'impressionnante quantité de détails des diverses constructions. Il n'y a pas de doute, la communauté de joueurs de l'époque a merveilleusement su tirer profit des possibilités de customisation offertes par Worlds.com. Mais le fait de parcourir ces zones si dépeuplées commence à faire poindre chez le promeneur un sentiment assez inexplicable d'oppression. Le même inconfort que nous provoquent les espaces liminaux, ces lieux de vie totalement vides et désincarnés. Mais c'est principalement ça que recherche Vinsauce, visiter un monde virtuel abandonné et rechercher ce sentiment de solitude. Someone in chat just said it's kind of sad to think that this was once filled with players. And now it's just completely empty. Gives me the option to click some things, but then nothing happens. Here's something that's kind of alive. Float pig. Think of all the virtual like graveyards that now exist. You know, we're leaving behind a lot. Stuff that had years of work put into it. Stuff that meant a lot to some people. I'm stuck in Goblin Village. Oh, it's disabled here. They like this place so much that they disabled the button that allows you to walk through walls. An NPC just said, "Hello, traveler, are you lost?" Actually, yes. Told me to follow him. He opened the gate. He saved me. Et à partir de ce moment-là, commence une conversation entre Vinny et le PNJ. Dans Worlds.com, Second Life et sur toutes ces plateformes en ligne hautement customisables, il était assez fréquent de croiser ce type de bot, supposé émuler le comportement d'un vrai joueur. Donc jusqu'ici, rien d'anormal.
I don't know. He's been following me. I need closure. Alors, au final, c'était qui Hitomi Fujiko? Eh bien, il s'est avéré qu'en réalité, Hitomi était une jeune femme qui avait passé beaucoup de temps sur Worlds.com, il y a des années de ça. Et quand une de ses amies l'appelle pour lui dire qu'un gros streamer était en train de visiter son ancien jeu favori, eh bien, elle s'est simplement connectée. Pas pour passer à tout prix sur le live, parce qu'elle ne connaissait d'ailleurs pas vraiment ce streamer à l'époque. À la base, elle s'est connectée pour proposer son aide à Vini, car elle avait été une joueuse très active sur ce monde et voulait lui faire une petite visite guidée du lieu. Mais quand elle a commencé à se rendre compte que Vini la prenait pour un PNJ, eh bien, elle a voulu s'amuser un peu avec le pauvre explorateur de mondes abandonnés. Et franchement, on peut la féliciter pour cette masterclass de roleplay. Son attitude, le personnage qu'elle a décidé d'incarner et le doute qu'elle a su instiller chez Vini, c'est du génie. Je pense d'ailleurs que l'histoire de la rencontre entre Vinsauce et Hitomi Fujiko est l'une de mes histoires favorites des jeux vidéo, et je voulais d'ailleurs lui rendre hommage en l'incluant dans cette vidéo. J'espère que vous avez apprécié cet épisode, et je serais curieux de savoir quelle histoire vous a le plus intéressé.
J'ai hâte de lire vos avis en commentaire. N'hésitez pas à liker, commenter, partager cette vidéo et à vous abonner à la chaîne si ce n'est pas déjà fait. Ça ne vous prend que quelques clics et ça permettra à cette vidéo d'être bien mieux référencée. Merci encore d'avoir regardé cette vidéo et d'être resté jusqu'à la fin. Et je vous dis à très bientôt pour un nouvel épisode d'Obscuria.